for you on such a glorious sunny day. This I fight these winters as a clown, and I paint my face with genuine smiles. And who's to say I'm not allowed to laugh and play when winter is around? Oh, ancient God, what'll do your precious plumage is the color of dawn. And I'd be happy to chant the rising of the sun with you, Sky. J'ai eu une belle enfance. J'ai des parents qui m'aimaient, j'avais une famille qui m'aimait, j'avais un frère et une sœur. Puis je peux pas dire que j'ai souffert dans mon enfance, ça a été assez normal. Mais dans la fin de l'adolescence, j'avais eu une relation amoureuse avec une fille. Ça avait duré un bout de temps, là, peut-être un an, puis elle avait cassé avec moi pendant l'été. Moi, j'avais mal pris ça, puis ça l'a terminé par être comme un élément déclencheur qui a déclenché une psychose. L'hiver proche, après ça, j'ai été diagnostiqué avec la schizophrénie paranoïde. Lying on the man on the left, he's not the one responsible for your death. But history's left with the breath of one breath. Please believe in nothing too fervently, or something won't rescue me. Please believe in something. Je savais pas c'était quoi, là, tu sais, quand tu reçois un diagnostic comme ça, c'est comme, t'as l'impression que la vie est finie, puis que c'est comme une condamnation. Mais ils m'ont mis sur des médicaments, puis ça l'avait aidé un peu. Ça a pris longtemps avant de trouver les bons médicaments. Mais à un moment donné, si je regarde, les premières années, c'était pas si pire. J'étais en psychose, mais... C'est quand même c'était assez sous contrôle, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis déménagé en ville avec une amie, j'avais fait une nouvelle blonde. J'étais allé vivre à Notre-Dame-de-Grâce, puis là, je consommais de la drogue. Et là, c'était vraiment l'enfer, parce que c'était 24 heures par jour, j'étais angoissé au bout. Je dormais mal, j'avais pas d'appétit, j'étais déprimé, puis... On dirait que c'était comme un cercle vicieux parce que quand je consommais, ça augmentait les symptômes de maladie mentale, la paranoïa, l'angoisse, la dépression. Puis là, j'étais pogné dans un cycle. Après ça, je consommais d'autres choses, des tranquillisants, d'autres drogues pour essayer de baisser la tension. Puis j'avais perdu le contrôle, j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Puis ça a duré longtemps quand même. Plusieurs années où je peux pas dire que j'ai eu des hallucinations, mais j'avais de la paranoïa très forte. Je pensais que c'était soit le FBI ou le CIA, je pensais qu'ils étaient après moi. Puis quand je voyais des camions blancs, je pensais qu'ils se promenaient, qu'ils me surveillaient.
Puis je pensais que mon voisin, il était un espion qui utilisait les caméras infrarouges pour ça, pour me surveiller. Ça a duré assez longtemps. C'est un cheminement qui dure depuis longtemps. T'sais, j'ai été diagnostiqué en 1996, ça fait 22 ans. Puis je peux dire que les premières 10 années, ça a été très pénible, même peut-être un petit peu plus, 15 ans. Puis aujourd'hui, je suis pas du tout la même personne. T'sais, j'ai pas les mêmes symptômes. Ça s'est diminué beaucoup avec. Ça a diminué beaucoup avec le temps. Je prends les nouveaux médicaments. T'sais, de temps en temps, le psychiatre va changer les médicaments, que c'est un ajustement, mais je deviens de plus en plus stable avec les années. On dirait que le temps est sur mon bord là. Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, ton History Painting Project? Oui, ça, ben, j'ai commencé comme en 2001, quand j'ai déménagé dans un nouvel appartement à Notre-Dame-de-Grâce. Je défaisais des boîtes de carton, puis j'avais vraiment hâte de commencer à peindre. J'avais une chambre que j'utilisais comme atelier, puis ça, en déchiquetant les boîtes. Mais ça, c'est plus récent, mais j'avais commencé, comme j'ai fait des œuvres comme ça. Ça, c'est sur Marcenaire, mais c'est dans ce style-là. Parce que le carton, il y avait souvent des. Il y avait souvent comme. C'est comme si tu regardes de l'autre côté de la boîte de carton, il y a toujours c'est écrit, des fois il y a du tape, quelque chose. Ça, c'est plus des situations. Comment t'es donc, celui-là, là, tes petits personnages, hein? Mais c'était un étude que je voulais faire comme. C'est super beau. C'est comme une fille avec un gars, puis il se parle, ça. Puis je voulais faire comme. Ouais, c'est sûr que c'est des bonhommes. Non, c'est magnifique. Il y a des sketchers, urban sketchers, qui font des choses comme ça aujourd'hui. Mais ça m'arrive encore d'avoir de la souffrance. C'est quelque chose que, une fois, tu sais, je veux dire, la maladie mentale, c'est pas. Ça change vraiment ta vie. Tu sais, t'es pas pareil après un diagnostic. Puis, ça, comme je viens de le démontrer, ça peut prendre une vingtaine d'années avant de retrouver le calme puis le bien-être, là, tu sais. Dans ces années-là, ça, comme je disais, j'ai consommé énormément, que j'étais perdu, là, tu sais, je veux dire, je consommais de la drogue dure, de toutes les drogues que tu peux penser. J'ai fait une thérapie en 2005-2006. Pendant 14 mois, j'ai été interné dans une thérapie de groupe, là, à Sainte-Madeleine. Ça a été une des choses les plus difficiles de toute ma vie, d'arrêter de consommer. C'était quand même une belle expérience parce qu'on travaillait sur nous-mêmes, que moi j'aimais ça. C'était la maison impérative. Je suis venu ici en 2005, je pense, pendant 14 mois environ. Puis c'était une maison de thérapie. Ça, c'est la porte d'entrée. Nous autres, les hommes, on rentrait par en arrière où est-ce qu'il y avait un dortoir. Puis ça ici, c'était difficile. C'était 24 heures par jour, une thérapie fermée, là, où on suivait des cours, on faisait toutes sortes d'activités, mais c'était toujours basé sur apprendre. Il fallait apprendre à être capable de gérer ses sentiments, puis de bien s'affirmer, puis toutes les bonnes choses comme ça. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. C'est une des plus belles périodes de ma vie. C'est fait que
ça a été laissé abandonné un peu là. Ça me ramène des gros souvenirs. La thérapie que tu as suivie à Sainte-Madeleine, c'était orienté plus pour arrêter de consommer. Est-ce qu'il existe des thérapies pour, strictement pour les maladies mentales? Ça existe-tu? Oui. Ça doit, j'imagine. Moi, j'ai suivi plusieurs thérapies dans ma vie. J'ai suivi une thérapie pour toxicomanie, mais j'en ai suivi aussi pour la santé mentale. Il y a des thérapies qui sont très efficaces, comme la thérapie cognitive comportementale. Ça, j'en ai fait une en 2002-2003, je pense, au Royal Victoria, the Allen Memorial Building. C'était un hôpital psychiatrique à Montréal. Puis, ça m'avait aidé avec l'anxiété, avec les pensées, tout ça. Aujourd'hui, j'utilise une version de la thérapie cognitive comportementale pour gérer mes pensées. Quand j'ai des pensées qui sont trop comme basées sur la peur et la paranoïa, mais là, ce que je fais, c'est que j'analyse ma pensée puis j'essaie de trouver une distorsion puis je remplace la pensée par une meilleure pensée. Ça aide beaucoup avec l'anxiété. Parce qu'ils disent dans ce modèle-là, c'est la pensée qui crée l'émotion puis le sentiment. Puis si tu as une pensée qui est équilibrée, mais tu vas te sentir mieux. C'est sûr que pour la schizophrénie, c'est des thérapies aussi qui appellent la parole. Tu veux juste avoir un psychologue à qui tu jases de tes choses. Je sais pas si ça marche. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une thérapie qui est nécessairement adaptée à la schizophrénie. Parce que des fois, parler de ça, ça l'aide pas du tout. Ça peut même empirer les choses. C'est comme si tu avais un traumatisme et tu étais obligé de revivre ton traumatisme toutes les semaines avec un thérapeute. Tu sais. Des fois, c'est mieux d'oublier et de passer à autre chose. Mais il paraît que ça aide beaucoup de monde pareil, la thérapie par la parole. C'est que, comme je disais, la thérapie cognitive, comportementale, ça fonctionne. Il y a beaucoup de ressources, comme aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a des organismes qui spécialisent dans l'aide et après ça, les gens handicapés. Là. Ça peut être des handicaps mentaux, ils appellent, comme un trouble de santé mentale, c'est un handicap. Puis il y a des groupes comme dans le coin, il y a le centre psychosocial, eux autres, ils font un suivi d'intensité variable. Puis, ils peuvent te voir toutes les deux semaines, toutes les semaines, puis ils vont t'aider à avoir un projet de vie, puis à sortir de la maladie. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu tombes malade, comme moi, de trouble de santé mentale, là, tu ne peux plus travailler, tu vas sur invalidité, tu deviens éventuellement invalide, inapte au travail, que tu ne peux pas travailler, que là, tu vis de la pauvreté, puis avec ça, tu vis l'exclusion sociale. Puis là, c'est comme. C'est très difficile après ça de remonter la côte, tu sais, quand tu te sens exclu. Déjà, du fait que tu as une maladie mentale, tu souffres, tu te sens pas comme les autres, puis tu as l'impression d'être jugé par toute la société. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la maladie mentale, puis vont te juger juste parce que tu as une étiquette de schizophrène sur toi, tu sais. Puis. Après ça, comme je disais, l'exclusion sociale, mais là, t'as plus de réseau social. Moi, à un moment donné, j'étais tout seul complètement chez nous, puis je souffrais, puis je consommais, puis c'était l'enfer, là, tu sais. T'as pas de réseau. Les gens ils prennent ça pour acquis, tu sais, d'avoir la plupart du monde, ils ont un réseau, ils ont la famille qu'ils voient souvent, puis les amis, puis tout ça, puis ils prennent ça pour acquis, mais quand t'as tombé entre les cracks, là, tu sais, t'as pas. Tu fais plus partie de la société, tu es un exclu, puis là, c'est une souffrance énorme. T'sais, en plus d'être malade mental, tu es pauvre, puis exclu, ça, je pense, même quelqu'un qui n'a pas de trouble de santé mentale va trouver ça difficile d'être pauvre, puis exclu. Fait que si on compte la toxicomanie, la maladie mentale, tout ça, j'ai travaillé fort, puis une chose que je pourrais dire à ceux qui souffrent de maladie mentale ou de. Toxicomanie, c'est de jamais perdre l'espoir, tu sais. Parce que moi, je suis encore un artiste aujourd'hui, je suis très productif, puis je vis une belle vie, tu sais. Je me sens libre. Je me sens pas comme quelqu'un,
c'est juste stable, puis j'ai pas de douleur ou de gros stress. La vie va assez bien, que faut persévérer dans la vie, là, tu sais. C'est sûr que ça peut arriver d'avoir des difficultés, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris tous les moyens que je pouvais pour m'en sortir. Puis aujourd'hui, je suis une belle personne, puis je vis une belle vie, là. March of the Maple Leafs.